Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tout nouveau vlogmas. Je viens à peine de poser mes fesses sur ma chaise. Je suis en train d'allumer l'ordi, vous devez l'entendre en fond. Il est 14h35 et je suis morte. J'ai fait plein de choses de ce matin dont je peux pas vous parler. Mais on est bien content une fois que c'est fait. Et au moins comme ça je vais pouvoir partir en vacances sereinement aussi. Là du coup je viens de rentrer. J'ai un McDo qui va être sûrement un peu froid. Et du coup là je vais me poser et je vais manger parce que j'ai faim. On se retrouve, il est 4h. Vous voyez que je suis au top de la forme, hein. Je pense que ça va être une petite journée et donc un petit vlog, hein. Je pense que là c'est bon, je peux déjà le dire. Je suis en train de regarder Le Père Noël est une ordure. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas regardé et puis bah c'est la période pour ça, il est sur Netflix si jamais ils l'ont mis. Et là je viens de faire mettre une annonce Vinted, si jamais je le dis dans ce vlog, on sait jamais si ça peut aider. C'est ma meilleure amie en fait qui vend sa veste de ski et elle s'en est quasiment jamais servie, donc je lui mets pour elle vu que moi sur Vinted j'ai un petit peu plus de visibilité. Si jamais ça intéresse quelqu'un, sachant qu'on est en Haute-Savoie, enfin voilà, on est le pays du ski, donc en gros vous inquiétez pas pour la qualité, vous pouvez y aller et voilà. Du coup là je crois que je vais continuer comme ça, je vais regarder mon petit film, je vais profiter un petit peu de ma journée. J'ai en fait, je pensais que ma journée allait être vraiment hyper remplie et en fait les choses se sont tellement bien goupillées que du coup je suis plus libre que ce que je pensais, mais du coup je le prends plus cool aussi parce que je m'étais mis un peu trop de pression et en fait non, les choses vont bien aller. Donc ça c'est très très chouette. Je viens de finir de monter le vlog, il est en train de s'exporter, il est 17h06, j'espère que vous l'aurez à temps. C'est un petit vlog donc normalement ça devrait aller. J'ai sorti le parfum que j'ai dans le calendrier de l'Avent, donc c'est musque blanc. Je suis pas sûre d'apprécier ça. Ça va. Je peux le mettre mais... Si ça sent bon, c'est pas les odeurs que je préfère mais ça sent bon. Je peux pas dire que c'est pas une odeur qui me révulse. Donc voilà, pour ça, quoi vous dire d'autre? Je pense que ouais, là ça va être un mini vlog, mais je vais même pas essayer de me battre pour vous faire du contenu parce que là je suis épuisée. Donc voilà, hier soir finalement je me suis couchée tard, je me suis prise en fait, je m'étais créé un planning de vidéos pour l'année prochaine pour essayer de reprendre les vidéos correctement et en fait des fois c'est ce que je fais, je me fais des sessions où je vais sur YouTube et puis je mets des titres, des mots dans la barre de recherche, par exemple gestion de budget ou argent ou autre chose en fonction des sujets que je veux aborder avec vous et du coup ça me donne des idées, que je vais voir ce qui a déjà été fait et il y a des titres qui me parlent ou qui me font penser à autre chose. Du coup je me suis fait toute une liste et je crois que là j'ai peut-être déjà blindé 4 ou 5 mois de vidéos que je pourrais avoir envie de vous filmer, donc ça c'est chouette. J'ai du coup toutes les vidéos du mois de janvier qui sont, enfin les idées sont là, il n'y a plus qu'à maintenant. Je sais pas, ce serait bien que j'essaie peut-être d'en filmer quand même quelques-unes avant de partir en vacances, au moins les filmer, pas forcément les monter et les programmer. Mais déjà en filmer quelques-unes parce que si je dois tout faire en revenant, sachant que je reviens exactement le 29, ça va être compliqué. Déjà que début janvier, je vais reprendre les enveloppes. Donc j'aimerais retirer les sous, déjà commencer à les mettre dans les enveloppes. Je pense que ça, c'est une vidéo que je vais faire en avance parce que de toute façon, je ne vais pas partir avec mes espèces. Et puis c'est des sous que je vais commencer à dépenser qu'à partir de début janvier de toute manière. Mais est-ce que déjà, j'irai partir de l'argent en avance, comme ça je vous filme la vidéo? Et je sais que voilà, pour janvier tout est déjà prévu, ça pourrait être une idée, je vais voir ça. Mais en tout cas déjà filmer peut-être 2 ou 3 vidéos sur toutes les idées que j'ai, ça pourrait être pas mal. Comme ça je me dégrossis un petit peu le travail et en fait le but chaque mois ce serait de filmer les vidéos du mois d'après, sauf celles qui sont obligées d'être faites un petit peu à la der, du style les remplissages d'enveloppes et puis bah, les studio vlogs que je vous sortirai aussi. Donc voilà, mais c'est voilà, je commence gentiment à voilà à préparer l'année prochaine. Ces jours-ci, non, je pense que je vais pas faire filmer des vidéos cette semaine, enfin en tout cas avant de partir. Par contre, ce qui serait bien au moins, c'est que je fasse l'inventaire avec vous de la boutique. Au moins ça, que je le fasse en vidéo et que je décide de ce qui reste dans la boutique en permanent et de ce que je décide de faire de ménage. Et en plus de ça, j'ai une petite commande sur la boutique qu'il faudra que je prépare, je la ferai demain matin. C'est 2 stickers en vinyle personnalisés, donc c'est une petite commande, mais petite commande qui fait plaisir quand même, merci beaucoup. Et donc je m'en occuperai
La boutique, je crois que je vais même pas la mettre en mode vacances parce que ça sert à rien. Il y a tellement pas de commandes que là, je pense que j'ai même pas besoin. Et puis voilà. Mais je vais quand même faire l'inventaire avec vous. Et ouais, parce qu'il y a. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais c'est qu'en fait sur la boutique, autant pour certains articles, je mettais pas de stock en tant que tel, je mettais stock illimité du genre les défis. Parce que dès que je vois que ça baisse un peu, j'en refais. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre réellement le nombre que j'ai. Comme ça, bah après, quand j'ai plus de stock, je sais que les gens peuvent plus en commander, ça me laisse le temps d'en refaire. Parce qu'autant avant, j'avais le temps de me dire, c'est bon, là par exemple, il me manque des défis 5 euros, j'en fais demain. Mais là, comme j'ai la comptabilité maintenant et que j'ai d'autres choses, que j'ai d'autres impératifs, c'est peut-être pas dit que je puisse être aussi réactif que ce que j'étais avant. Donc au niveau des stocks, il faut que je sois plus au réel, on va dire. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'avant, j'avais aussi la boutique Etsy. Du coup, il fallait que je gère deux stocks et c'était juste impossible. Que là maintenant, comme maintenant, j'ai plus que mon site. Ça me fait moins de visibilité, ça me fait moins de commandes, mais c'est beaucoup plus de facilité pour moi quand même. Et justement, par rapport aux lois entre la France et la Suisse, c'est pas dans mon intérêt de faire un gros chiffre d'affaires avec la boutique non plus. Donc finalement, c'est peut-être pas si mal. Après, c'est pas dit que la boutique, je la bascule pas sur l'entreprise suisse à terme pour éviter d'être bloquée au niveau plafond de chiffre d'affaires. Si ça vous intéresse, je vous parlerai plus, mais ça sert à rien. Donc voilà, ce serait bien comme ça me prépare déjà un petit peu pour l'année prochaine. Je retouche un petit peu à tout ce que j'ai, ça me remet un petit peu dedans gentiment, et comme ça me permet aussi de ranger un petit peu mes produits. Donc du coup, de me reconnecter un peu à la boutique. Comme je vous disais, je me sens quand même déconnectée hein, depuis au moins début octobre. Hein. Ouais, début octobre, j'avais tout mis en carton. Donc voilà un petit peu de la réflexion du soir, je vous reprends un peu plus tard. Bon, du coup, je vous retrouve, il est 20h. Là, j'ai Saphir qui me fait un petit câlinou. Elle aime pas être dans les bras, mais elle adore faire des câlins, elle se frotte contre ma main. Je vais arrêter le vlog là parce que clairement, je vous filmerai rien d'autre. Ça va être un mini vlog vraiment. C'est marrant parce que ces derniers jours, je vous disais aussi que je faisais des mini vlogs et finalement, au montage, je me rendais compte que ça faisait plus. Mais là, je sais que c'est vraiment un mini vlog. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, j'essaierai de me rattraper demain. Et bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain Vlogmas.